Cette année, 7 hommes et un grand troupeau de vaches montent à Sassénaire, alpage maudit et abandonné depuis plus de 20 ans. Après quelques jours, des vaches tombent malades et le vétérinaire décrète une quarantaine autour de l'alpage. Petit à petit, peurs et superstitions s'immiscent dans ce huis clos montagnard jusqu'à la catastrophe finale. Charles Ferdinand Ramuz puisait son inspiration dans le terroir suisse roman. La grande peur dans la montagne, un huis clos saisissant à 2300 mètres d'altitude qui fait ressortir les peurs et les croyances des villageois, est son roman le plus marquant. À travers les magnifiques illustrations de Quentin Pochard, cette adaptation du célèbre roman de Ramuz nous emmène à une époque où, face à la montagne et à la maladie, les humains n'avaient que leurs croyances pour se rassurer.